Yo les gens, c'est MotisKTA, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse annonce de Milestone, même si ça a été entre guillemets quand même annoncé avant. Mais bon, là il y a eu un trailer officiel, c'est l'annonce des deux temps sur MXGP3. Franchement, c'est super de la part de Milestone qui a écouté la communauté qui réclamait du deux temps depuis le développement de MXGP2. Mais ça, ce n'est pas fait. Franchement, c'est assez dommage. Comme j'ai dit précédemment, Milestone a sorti un trailer d'annoncement. Bien sûr, sur ce trailer, on voit les deux temps. Et on aperçoit aussi en même temps l'amélioration graphique que Milestone nous avait promis avec son nouveau moteur graphique Unreal Engine 4. Donc bien sûr, le jeu est actuellement encore en développement. Maintenant, il reste à savoir si Milestone envisage d'autres petites surprises par la suite. Quand je dis autres petites surprises, pourquoi pas un mode SX que Milestone avait évoqué éventuellement dans un communiqué. Au niveau de tout ce qui est le gameplay, la physique du jeu et l'implémentation de la météo, j'ai justement trouvé une vidéo qui va sûrement vous intéresser. Je pense que vous vous en doutiez, voici un extrait d'une course sur MXGP3 sur le tracé de Pietraburrata. Là maintenant, on peut observer l'évolution des graphismes rendus possible grâce au nouveau moteur graphique que Milestone nous avait promis. Bien sûr, ils ont insisté sur tout ce qui est flou de mouvement, projection de la boue et bien évidemment l'environnement du jeu. Concernant la physique pilote, ne vous fiez pas au gameplay, le jeu est actuellement encore en développement, donc on ne sait pas. Peut-être que Milestone est actuellement en train de bosser dessus, donc on verra la version finale, bien sûr, à la sortie du jeu. D'ailleurs, Milestone a annoncé la sortie du jeu qui sera programmée pour le 12 mai 2017. Quant à MXGP2 qui lui était sorti en début avril, si je me souviens bien, donc ce qui veut dire qu'il va encore falloir attendre 2 mois, mais vous inquiétez pas, vous pouvez tenir. À propos de la météo qui a été une des plus grosses surprises à l'annonce du jeu, je pense que Milestone a énormément misé sur cela. Après, il va falloir savoir si le terrain suit avec le temps, car s'il y a de la pluie, la physique du jeu ne change pas du tout comparé au sec, ce serait quand même une chose gâchée. Concernant maintenant l'évolution du track pendant la course, j'espère sincèrement que Milestone a vraiment misé le coup aussi là-dessus, surtout pour les ornières. Car oui, sur MXGP2, ils avaient déjà fait quelques efforts pour les ornières, donc on espère aussi que sur MXGP3, les ornières accrochent plus et que la déformation du terrain soit un peu plus travaillée que sur MXGP2. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ces petites informations sur MXGP3 t'auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre ma carrière sur MXGP3, donc qui débutera aux alentours du 12-13 mai. À partager un max sur tous les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pense aussi à lâcher ton plus gros like, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Et donc on se dit à samedi pour le Grand Prix à domicile au Mans sur Valentino Rossi Game, toujours en catégorie Moto 2. Il faut vraiment gagner le Grand Prix. Là, on est vraiment obligé de gagner le Grand Prix. C'était MotisKTA, portez-vous bien et peace.